plaisir de vous être en train de vous en souvenir. Monsieur Didier Frontin. Sera surmonté par Damien Sol.
Leur résultat n'était que 8-3. Orléans. Qu'il y a juste là en fait, il y a un PC sur la table de marque.
Thank you.
Attaque. Ah, je parle depuis tout à l'heure. Service dans le filet. Beaucoup de déchets de la part des deux équipes sur cette fin de set. Et au service, Maureen Chalas. Allez, la passeuse au service. Allez, super attaque ligne, c'est défendu. Pour moi, elle ne passe pas cette balle. De toute façon, c'est pas défendu. Et point pour l'équipe de Montpellier. Ah bah, a priori, vous m'écoutez pour la première fois du match. J'ai parlé pour pas grand-chose durant 40 points, mais c'est pas bien grave. Vous êtes bienvenue sur la salle Michel Bernard à Lyon pour ce deuxième journée de play-off. Attaque de la pointue d'Argentine, tout en force. Ça fait pas point. Allez, point et 7 pour l'équipe d'Orléans, 1-0 pour Orléans. Donc voilà, le petit problème technique est réglé. On m'attend maintenant, je suis avec Monsieur Seguin à la table de marque. C'est pas Xavier Richefort ce soir, c'est Maximilien de Parmentier et Vincent Seguin au commentaire. Et fin du premier set, victoire assez facile pour Orléans. 25-15 si je m'abuse. Coach de Montpellier qui va devoir trouver les mots pour remobiliser son équipe. J'ai plutôt l'impression que pour le moment c'est la numéro 10. Et la capitaine numéro 11 qui remobilise des troupes. Il va falloir être plus agressif du côté de Montpellier pour mettre en difficulté cette belle équipe d'Orléans qui est venue pour remporter sa première rencontre de ses play-downs. Monsieur Decorde, bonjour. Grand arbitre de la Ligue des Hauts-de-France. Et on va attaquer bientôt ce deuxième set entre Orléans et Latte. Deuxième rencontre de la journée après le premier match de Rixheim et Romans. À 19h, ne loupez pas la rencontre qui va opposer les locaux de la Lue 1 contre l'équipe de Romans. Rendez-vous 19h pour, a priori, le match de la journée, même si nous assistons actuellement à une très belle rencontre entre Orléans et Montpellier. Allez, les dernières consignes sont passées. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de changements des deux côtés, notamment du côté d'Orléans qui s'est déplacé, si je m'abuse, à 9. L'effectif assez réduit. Et Monsieur Damien Sorel, de mémoire, président de Liévin, qui va lancer ce deuxième set. Allez, pas de changement dans le 6 d'Orléans comme prévu. Et du côté de
Montpellier, je pense qu'on a changé une centrale. Les changements faits en fin de set ont été conservés. Ah, aussi pointu. Changement central pointu. Eva Colonna et la capitaine Cassagnan et Elise sont sur le banc pour le début de cette deuxième rencontre. Et changement de passeuse également. Trois changements du côté de Montpellier. On fait confiance aux changements faits en fin de set pour ce deuxième set. Au service, on retrouve Maureen Chanas, ancienne joueuse du centre de formation de Évreux. Allez. Chef d'orchestre de l'effectif de Orléans. Ouais. Beau service, poste 5, très long. Ça joue au centre, c'est joli, mais c'est bien défendu. Voilà. Elle s'est touchée par la libéro de Montpellier. 1-0 pour Orléans. Alors pour les gens qui ont l'habitude de regarder Orléans, c'est du classique. Défense de Marilyn, passe de Maureen Chanas et Malena qui termine le point. Deuxième service. Encore un beau service, on insiste sur le poste 4 avant pour la forcer à enchaîner. Ça joue en pipe, c'est pas super précis, mais ça fait point pour l'équipe de Montpellier. Mademoiselle Fraboulet Camille. C'est un peu tiré par les cheveux, d'ailleurs elles en rigolent, mais ça fait point, c'est le principal. La jeune passeuse, numéro 15 de Montpellier qui passe au service. Louise Hamel. Si les informations que j'ai sont bonnes. Allez, service, serveuse, passeuse qui défend en P1 et qui fait un ace mais qui sert en P5. Très beau service de la jeune passeuse de Montpellier qui vient d'entrer. Peut-être cet apport d'énergie qui manquait à l'équipe de Latte. L'insouciance de la jeunesse au service. Allez, très beau service encore une fois. C'est loin, ça va être donné à l'équipe de Montpellier. Il faudrait passer au centre sur celle-là. Non, ça renverse. Ça manque un peu de hauteur. Bien défendu par la libéro. Johanna Gonzalez et qui fait son point. Voilà. Johanna, petite attaquante, mais assez propre, très complète, très peu de fautes. L'équipe de Orléans très, très équilibrée. Et service de Johanna Gonzalez. Très beau service P1, réception, ça tient. Il y a de la hauteur, elle peut travailler sa balle, mais c'est défendu par la passeuse. La libéro prend le relais, ça renverse. Attaque dans les mains du bloc. Ça défend comme on peut du côté de Montpellier. Ça se réorganise. Contre-attaque à venir pour Orléans. Ça joue au centre. Très bien. Ça se bat encore du côté de Montpellier. Encore une relance pour Orléans qui va essayer d'accélérer son jeu. Ça renverse. Et voilà. Attaque dehors de Malena. 3-2 pour Montpellier. On sent la puissance chez cette joueuse qui a encore parfois quelques déchets. Mais il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire. Un service dans le filet. C'est peut-être un peu précipité. C'est dommage. Son équipe se bat, son équipe s'accroche. Avec les moyens du bord, la fatigue peut-être du déplacement. Allez, service pour la numéro 12 de Orléans. Le TOF Aurore, centrale française. Bon service poste 1, mais très belle réception, ça joue au centre. Bidouille derrière le bloc. Voilà, ça défend, c'est bon. C'est approximatif. Défense pas très académique de la centrale, mais défense. Ça contre-attaque encore une fois, beau soutien. Maureen Chanas qui force au centre. Et Mademoiselle Duarte qui finit le point. Excellente centrale brésilienne de Orléans qui termine le point. C'est son taf, c'est son job, elle le fait à merveille. Allez, service pour Orléans, toujours la centrale Aurore au service. Service toujours poste 1, précis, ça récupère, ça pousse. Et block out. Block out pour Camille Fraboulet qui remet les deux équipes à égalité 4 partout. Et au service la numéro 5, Pauline Robuchon. Et la réception de Orléans est en place. Hop, l'arbitre qui remet la balle à remettre puisque l'arbitre n'avait a priori pas sifflé. Incompréhension, mais le point est à remettre dans tous les cas.
Allez, service toujours. Pauline Robichon. Allez. Allez, belle réception. Ça manque un peu de hauteur pour la pointue, mais qui fait son point. Dommage, dommage, dommage. Manque d'organisation pour cette balle qui paraît assez facile. Allez, service. Service pour Malena, pointue argentine de l'équipe d'Orléans, avec un service smashé. On va voir si elle bascule du côté efficacité ou côté spectaculaire, avec un enchaînement et de la régularité. Premier service. Out. Voilà. Serveuse capable de vous mettre 2-3 aces, mais aussi de faire de grosses fautes. Ouais, service pour Montpellier. Bonin, Angèle. Gauchère. Et encore une faute. Beaucoup de fautes en cette fin de premier set et début de second set. Les deux équipes se cherchent. Les deux équipes cherchent leur marque. Peut-être dans la salle Michel Bernard. Pourtant, l'équipe de Montpellier est venue faire un entraînement ce matin. A pris ses marques. Ouais. Un service posé, poste 6 pour se rassurer. Ça force au centre, ça joue au centre. Et c'est défendu par Orléans. Relance. Est-ce que la passeuse va enchaîner? Belle relance, ça force au centre. Basket, très belle basket. Et faute de fil de Orléans. 6 partout. 6 partout. Second set beaucoup plus accroché que le premier. Les changements du coach payent. Les changements de monsieur Fournol, Olivier. Allez. Quelle est la première équipe qui va nous faire une série? Allez, service, service, service pour Camille. Beau service poste 1, belle réception. Ça reconstruit, ça force en basket, ça manque un peu de volume. Grande centrale comme ça, c'est dommage. Et très beau bloc de la passeuse numéro 15. Mademoiselle Amel Louise qui apporte du dynamisme à son équipe, de l'envie. Qui essaie des choses et qui apporte vraiment un regard d'énergie pour cette équipe de Montpellier par rapport au premier set. Et tout sourire, elle peut l'être. Et beau service, encore une fois, pour la numéro 3. Basket pour Mlle Duarte. Super basket. Super basket. Rien à dire. On ramasse le ballon. On passe au point d'après. C'est d'ailleurs dommage de l'avoir passé au service. Et de ne pas la garder un peu plus longtemps sur la ligne de devant. Et service pour Barbara. Service haut et flottant, poste 1, ça a essayé de l'idée mais c'est mal réalisé. Centrale qui nous fait belle manchette, ça attaque, belle défense de la libéro de Montpellier. Pipe, oui, très bien joué, très bien joué. 8-7 pour Montpellier, temps mort technique. J'adore la rentrée de la numéro 15 de Montpellier qui apporte vraiment quelque chose. C'est moins précis dans la distribution, mais c'est plus audacieux, c'est plus partout. Et donc je rappelle sur cette première rencontre, Rixheim-Roman s'est imposé sur le score de 3-1. Là vous assistez donc à la deuxième rencontre de la journée, Orléans contre Montpellier-Latte. Et à 19h, Aluin contre Roman. N'hésitez pas à vous déplacer, nombreux et nombreuses. On me dit dans l'oreillette que Monsieur Seguin paye une bière à tous les supporters de l'Aluin qui viendront vers le match. Donc on me confirme bien, Monsieur Seguin paye une bière à tous les supporters d'Aluin présents à la rencontre de ce soir. Donc on vous attend nombreux et nombreuses. Allez, reprise de la rencontre. 8-7, numéro 10, ace pour Natalia. Allez. Allez, beau service court sur Johanna Gonzalez qui arrive quand même à enchaîner, qui est très explosif sur ses appuis. La passeuse qui loupe un peu sa passe, mais encore une fois, pas de doublé sifflé du côté du corps arbitral. C'est une nouvelle consigne fédérale de laisser jouer. Hein. Service de Maureen Chanas, numéro 6 de Orléans. Qui nous gratifie souvent de beaux services. Service poste 5 sur la poste 4 avant. Ça enchaîne quand même malgré tout, c'est brouillon, mais ça fait le point. Voilà.
C'est exactement ça. Montpellier est venu avec de nouvelles intentions sur ce second set. Se faire plaisir, lâcher les coups, même si c'est pas super propre, mais on se bat. Voilà les valeurs un petit peu que cette équipe dégage sur ce second set. Et service de Louise. Très beau service, mais bien tenu par la libéro d'Orléans. Renversement sur Joana Gonzalez. Super défense de la libéro de Montpellier. Passe encore pour moi doublé. Sauvage. Sauvetage comme il se peut de la centrale. Deuxième balle pour Joana qui la joue bien. Ça joue. Super passe au pied. Voilà. Oh là là, c'est brouillon, mais ça se bat. C'est beau. C'est beau. Super point de l'équipe de Montpellier. Ah, c'est typiquement le genre de point que j'apprécie. Ça se bagarre, c'est joli, il y a de l'envie, il y a des sourires. Voilà, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce que les supporters de Montpellier veulent voir. Allez, il faut enchaîner maintenant, il faut enchaîner. 18 pour Montpellier. Super service encore une fois de Louise qui sert bien dans l'intervalle entre la poste 4 et la libéro. C'est défendu, c'est pas gardé malheureusement. Et le point conclu par la centrale de Orléans, Aurore. Aurore le tof. Belle présence au filet qui termine le point et qui remet son équipe en marche au service Joana Gonzalez. Et très beau service, belle réception moyenne de la libéro, mais ça va proposer une pipe. Allez, ballon facile, contre-attaque pour Orléans. Out. Ah non, elle est bonne. Annoncée out par la joueuse de Montpellier, mais malheureusement, mauvaise lecture de trajectoire. Et donc, point pour Orléans qui égalise 10 partout. Et petit relâchement de l'équipe d'Orléans en second set après une belle victoire en premier set, 25-14. Et Johanna qui remet son équipe dans le droit chemin, super service, réception moyenne et la pointue qui termine le point, tout en puissance. Même pas un petit sourire malgré cette super attaque. Allez, les filles de Montpellier qui s'encouragent pour garder cette réception dans le camp. Montpellier-Rien. Ouais. Bon service, réception moyenne. Passeuse qui se débrouille quand même un peu. Allez. Allez, ça va se sauver, ça sauve, ça sauve. Free ball pour Orléans, de la vitesse. Relève sans, ouais. Voilà. Et ball out. Et block out pour l'équipe de Orléans. Orléans qui reprend sa marche. Eh, ça fait plusieurs fois qu'on voit l'équipe d'Orléans qui défend avec sa passeuse en poste 1, Maureen Chanas et Amalia qui prend le relais et qui distribue le jeu sur la pointue. Eh, 12-10, toujours Joana Gonzalez au service. Eh, beau service, réception parfaite, ça accélère en 4 sur la gauchère et ça fait le point pour Angèle. Tout de suite quand Montpellier tient la réception, Montpellier fait jeu égal au filet. Allez. On voit l'entraîneur qui communique énormément avec sa passeuse afin de lui passer quelques consignes. Allez. Service poste 1, super réception de Joana Gonzalez de la hauteur sur la pointue. Et le bloc qui ne parvient pas à franchir et à laisser le ballon du côté de Montpellier. Donc du coup, point pour Montpellier. C'est beaucoup plus équilibré que le premier. Super réception, ça joue au centre, et parfait. Alors là, il n'y a rien à dire. Super réception, belle transmission, et la finition. La finition pour la numéro 5, si je ne dis pas de bêtises, Pauline Robichon. Allez, là pour le moment, tout le coaching du coach de Montpellier a porté ses fruits. Son équipe tient le choc sur ce deuxième set. Service un peu bizarre, mais ça passe. Ça m'a discuté, la pointue, out, out. Voilà. Bien vu de la part de l'arbitre, cette attaque qui file hors des limites du terrain et du coup point pour l'équipe de Montpellier. 13 partout. Et service en appel inversé, voilà pourquoi il est bizarre. Voilà, un peu loin du filet, c'est pas touché et point pour Orléans, dommage. Eh oui, service en appel inversé de la centrale de Montpellier, la numéro 5, Mlle Robichon-Pauline.
Comme quoi, voilà. On peut avoir un service en appel inversé et jouer en haut de tableau N2. Allez, service pour la numéro 16. La numéro 16, Malena. Allez, service lourd, mais super bien tenu. Il y a quelque chose, mais l'arbitre ne bronche pas. Il y a une faute ou il y a forcément une faute de quelque part. Et un duel Brésil-Argentine au filet. Match nul pour le moment. Et voilà, tout le vice de la passeuse d'Orléans. Ça râle du côté de Montpellier. Les joueuses ne sont pas d'accord. Il y a quelque chose, mais l'arbitre a préféré laisser jouer dans le doute, je pense. Très très brouillon ce point. Je trouve que des fois les arbitres mettent du temps à prendre leurs décisions et se montrent un peu trop hésitants. Du coup les joueuses, les entraîneurs en profitent. Ouais, ça va nous permettre de voir un deuxième service ce match de Malena dans le terrain. Réception. Ah voilà, voilà, pas de discussion, c'est propre. Ouais, super service, poste 5. Et Duarte Barbara, vigilante au filet, qui conclut ce point. 16-13 pour l'équipe de Orléans. Et dommage ce petit passage à vide qui coûte cher et qui permet donc à Orléans de virer au deuxième tas en mort avec 3 points d'avance. Il y a du monde sur le banc à Montpellier. Peut-être une nouvelle série de coaching de la part de l'entraîneur de Montpellier pour relancer son équipe, le dynamisme, etc. Mais voilà, ce deuxième set qui est beaucoup plus agréable que le premier à vivre. À l'image, la numéro 4 de Montpellier, mademoiselle Girard-Justine, passeuse habituellement titulaire, qui a laissé sa place pour mademoiselle Amal-Louise au deuxième set. Allez, est-ce que le temps mort a cassé le bras de la pointe sud d'Orléans? Nous allons avoir la réponse dans quelques secondes. Les équipes sont en place pour la reprise du match. Allez. Malena au service. Out. Et voilà. On sent le potentiel chez cette joueuse. Mais elle est à peaufiner encore. Ouais, service bien placé. Poste 5, basket. Bon, super attaque. Mais bien défendu par l'équipe de Montpellier. Voilà. Là, on retrouve l'équipe de Montpellier sur ce point. Typiquement, on a la puissance d'un côté à Orléans avec la pointue Malena, la centrale Barbara Duarte. Et du côté de Montpellier, ben on se défend comme on peut et on contre-attaque, on se pose pas de questions et ça fait point. Mais on sent les atouts offensifs de Orléans supérieurs. Ouais, super réception, basket et la bidouille. Mais encore une fois, ça se bat, ça sauve. Poste 1, ça contre-attaque. Oh, a priori ne passe pas. L'arbitre a décidé. Et il paraît que l'arbitre a toujours raison. Donc point pour Orléans. 17-15. Alors l'arbitre a toujours raison quand c'est pas moi qui suis sur le banc, bien évidemment. Sinon, et point tout en finesse de la centrale de Montpellier qui est elle-même surprise par cette attaque un petit peu loupée, mais qui fait point, c'est le principal. Le ballon tombe par terre du côté de Orléans. Barbara qui encourage ses coéquipières pour passer au point d'après, ne pas se poser de questions et rester concentré sur ce deuxième set. Et service. Ouais, sa tenue. Voilà. Très très bien attaqué de la part de la centrale, encore une fois, vraiment impressionnante, vraiment. Une des meilleures centrales de N2, je pense, cette année en France. Allez. Service Barbara Duarte. Parfaite la réception, la passe se fait une belle deuxième main, mais passe agressif. Ouais, c'est brouillon, ça manque un peu d'agressivité, c'est dommage. Johanna Gonzalez, voilà. Malgré son petit gabarit, ne se pose pas de questions, on tape et ça passe dans les mains et ça fait point pour Orléans. Creuse un petit peu l'écart, 19-16 pour Orléans, peut-être un temps mort pour Montpellier à venir pour casser cette petite série.
Et surtout éviter Orléans de prendre 4 points d'avance en 7-27. Et beau service, réception moyenne, la passe à ce qu'il va jouer en P1. Ça passe, ça passe, ça passe. Alors un petit peu de réussite du côté de Montpellier. On est tout sourire, mais la chance se provoque, il faut pas se poser de questions, il faut enchaîner. Ah, forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est plus facile à faire, à dire en tout cas quand on est dans le canapé. Et service, poste 5. Super récep. Et la deuxième main, voilà. Elle est contente, elle peut se le permettre. Son équipe a de l'avance, son équipe domine, c'est bien fait. Allez, 20-17. Allez, au service, Maureen Chanas. 27. La pointue qui repasse devant, du coup. Super service. Ouais, super service. Après sa deuxième main qui confirme son point avec un très beau service et un ace. Capitaine de Montpellier, Mayoud, Léa s'en veut un petit peu. Ouais, voilà. Premier temps mort pour le coach de Montpellier qui va tenter de casser la dynamique. Allez, reprise du match. Toujours Maureen au service pour l'écho. Allez, très beau service. Ouf. Ça passe, c'est sauvé. Voilà, doublé. Ah, premier doublé de la journée. Sifflé par le corps arbitral. C'est un petit événement. Là, c'est Michel Bernard à noter. Et second service pour Louise Hamel. Très beau service, hein, vraiment, vraiment, vraiment. C'est bien tenu. Ouais. Ce beau bloc. Très beau bloc de mademoiselle Robichon-Pauline. Allez, 19-21. Est-ce que le coach d'Orléans va prendre un temps mort ou a-t-il confiance en ses joueuses? Alors, super service encore une fois, peut-être dans l'intervalle entre la libéro et la poste 4. Très beau service. Très très beau service, même le coach d'Orléans montre à l'arbitre qu'elle est dedans, pas de discussion possible. Ça sent le temps mort du côté de l'écho. Voilà, temps mort. Un partout au niveau des temps morts, 20-21 au niveau du score, au tableau de marque. Orléans qui maintient un mince avantage et Montpellier qui s'accroche. Simple, je pense que si Orléans parvient à gagner ce deuxième set, ils remporteront la rencontre, certainement 3-0 je pense. Mais si Montpellier arrive à accrocher ce set, pourquoi pas mettre le doute dans la tête des filles d'Orléans. Allez. Deux équipes vraiment différentes, je trouve. Avec un style de jeu différent. Allez. Service de la passeuse de Montpellier. Mademoiselle Amel Louise. Très beau service encore. Oh là 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 là, elle nous fait un festival. Elle nous fait un festival. 21 partout. Et une super rentrée sur ce second set. C'est pas quel âge elle a. C'est la remplaçante habituellement, je pense. Mais elle fait la différence sur ce second set. Troisième service. Pff, encore un très bon service, mais qui est bien tenu. Allez. Voilà, elle va attaquer ça, la hingapette un petit peu, voilà, c'est bien attaqué. Ça renverse sur Johanna Gonzalez. Beau bloc, faute de fil, signalé par le second arbitre. Oui, oui, allez, reconcentrez-vous, c'est pas la peine. L'arbitre ne changera pas de décision. Coaching pour le coach de Montpellier avec l'entrée de la numéro 11 sur la numéro 1. Donc, Élise Cassagno qui va rentrer sur Mayou de Léa. Du coup, changement de capitaine. Mademoiselle Fraboulet Camille qui prend le leadership de son équipe.
Allez, service Joana Gonzalez pour l'écho. 22-21. Service ultra important. Il passe, là il retient ça de la hauteur, ça renverse, mais la pointe ne peut pas attaquer. Mauvaise relance. Faute de fil. Faute de fil. Bien vu, bien vu. Super. Super. Bien vu, monsieur l'arbitre. Je pense qu'il aurait été cool que la pointue de l'écho retienne son bras sur cette attaque, mais bon. Passons par après, 22 partout. Service ultra important pour Elise Cassagno et Montpellier. Mais avec l'expérience qu'elle a, je ne pense pas que ça va lui poser de problème. Très beau service, très beau service. La libéro qui tient malgré tout. Maureen Chanas qui relève pour la pointue, qui ne prend pas de risque. Allez, ça doit passer au centre. Ça doit passer au centre sur celle-là. Non, ça renverse sa pointue, mauvaise passe. C'est sauvé par la pointue. Allez, ça va contre-attaquer Joana Gonzalez qui travaille sa balle. Belle défense pour Montpellier. Ça joue au centre. C'est parfait. Et point pour l'équipe de Montpellier avec Mademoiselle Robichon. Voilà, encore une fois, très bon coaching du coach de Montpellier qui fait rentrer une nouvelle joueuse qui apporte quelque chose au service. Voilà, deuxième temps mort pour l'écho. Ça ne trompe pas les sourires du côté de Montpellier. Allez, 23, 22, deux temps morts, deuxième temps mort pris par l'écho. Il reste encore un temps mort du côté de Montpellier. Vraiment très bon deuxième set de la part de Montpellier qui trouve des solutions. Des changements de joueuses qui ont apporté quelque chose. Malgré l'absence de leur coach principal, monsieur Jean-Christophe Bacon, on sent l'équipe appliquée, bagarreuse. Alors, les supporters de Orléans se réveillent. Allez. Passage en P6. Allez. Point ultra important pour l'écho. En plus, qui récupère sa centrale sur la prochaine rotation. La centrale Barbara. Oh là 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 là. Super service encore une fois de Elise Cassagno. Dans l'intervalle entre la libéro et Joana Gonzalez. Joana laisse la priorité à sa libéro, mais la libéro ne prend pas le ballon. 24-22 pour l'équipe de Montpellier. Ouais, balle de 7. Première balle de 7 pour Montpellier. Ça passe, super service. Mauvaise réception. Et voilà, incroyable mais magnifique. Imprévisible. Ils viennent de... Voilà, super, pas d'autres mots. 25-22 pour Montpellier, le match est relancé. Alors je sentais, pour être tout honnête avec vous... Orléans au-dessus du lot, surtout après ce premier set 25-14, mais finalement Montpellier a fait quelques changements, on n'a rien lâché et est relancé complètement dans ce match. Voilà, les filles sont décomplexées, jouent, se posent pas de questions, rentrent un peu plus dans les ballons, provoquent la chance et ça fait 7. Voilà, je vous laisse tranquille un petit peu pendant 2 minutes et on revient pour ce troisième set. Alors on a aperçu rapidement monsieur Seguin dans les tribunes, donc c'est ce monsieur qu'il faudra aller voir ce soir si vous voulez un verre offert. Voilà, vous voyez monsieur là juste en dessous. Allez, très beau match auquel nous assistons cet après-midi. Allez, je pense que la salle Michel Bernard va se remplir au fur et à mesure pour la rencontre de 19h qui oppose donc Aluin et Romand. Romand 3 sur 3 et Aluin qui va jouer son troisième match pour également être à 3 sur 3 et empêcher Romand de remporter le titre peut-être, ou les Romanaises remporter le quatrième succès qui serait peut-être synonyme de titre de champion de France. Ouais. Allez, les derniers réglages aussi pour les entraîneurs. Confirmation pour Montpellier. Rectifier le tir pour les filles de l'écho. Tel sera l'objectif du troisième set.
Allez, troisième set. Pas de changement du côté de l'écho. Sans très peu de joueuses sur le banc. Deux joueuses, deux petites françaises, je pense. Malheureusement, quand on est au banc de touche. Du côté de Montpellier, on fait confiance aux filles qui ont renversé la vapeur au deuxième set. Vérification de la composition des deux équipes par monsieur Sorel, président de Liévin, si ça n'a pas changé. Allez, Louise Amel au service, qui avait fait une super série au deuxième, qui recommence. Et hop, et ça recommence de plus belle. Voilà. 1-0. On recommence pareil du côté de Montpellier. Gros service de Mademoiselle Amel et la présence au filet de ses coéquipières qui permet donc à Montpellier de continuer sur la même dynamique. Et Maureen Chanas qui encourage ses coéquipières à garder la réception chez eux. Et vraiment impressionnant ce service très régulier. Sa force au centre. Voilà. Voilà, là, toute l'expérience de Barbara Duarte. Passe limite, mais elle se débrouille, elle s'en sort et elle fait le point. Voilà. Très bonne centrale de monsieur Alexis Corbet, mais voilà, un peu limite au niveau de certains, un peu poussé. Mais on laisse jouer, on laisse jouer. On est joueur du côté du corps arbitral ce week-end. Et service. Voilà, très bon service, lourd. C'est tenu par la libéro, la passe est correcte. Voilà, c'est défendu, super. Voilà, c'est soutenu. Et relance, relance du côté de Montpellier, ça passe au centre, passe loupée, dommage. Et voilà, tout en finesse. Tout en finesse pour Mademoiselle Chevalin-Marine qui égalise pour l'écho. Ça manque un tout petit peu de précision du côté de Montpellier sur les relances, ce qui les empêche de conclure les points. Allez, deuxième service pour Malena. Je répète, pointu d'origine argentine. Oh là 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 là, le lancer complètement loupé, mais ça marche quand même, ça passe au centre. C'est mérité. C'est mérité pour l'équipe de Montpellier avec un service qui n'était pas maîtrisé. Allez. Et numéro 11 de Montpellier. Cassagno. Elise. Service enfilé. S'excuse auprès de ses partenaires, mais on est qu'au début du set. Ce genre de faute, il faut mieux les faire au début qu'à la fin. 3-2 pour l'écho. Marilyn au service. Un petit peu la métronome de l'équipe d'Orléans. Stabilisateur. Service posé P5. Bonne réception. Ça joue. Oh là, c'est propre. Voilà. C'est propre. Réception plus. Belle passe, belle attaque. Allez, on récupère le service du côté de Montpellier. Avec Pauline. Ouais. On demande la composition. Qui a qui de servir pour être sûr de ne pas faire de bêtises, de ne pas perdre le point bêtement du côté de Montpellier. Les points sont durs. Et il faut être concentré jusqu'à la fin. Et service toujours en appel inversé, mais service qui passe, service qui flotte, service pas mal. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vais essayer de rester le plus neutre possible, mais encore une fois, super attaque de Barbara Duarte. Sa sœur, sa petite sœur, je pense, qui joue au Volley Club de Valenciennes dans la même région, devrait être dans les tribunes, je pense, pour voir sa grande sœur jouer, peut-être. Ouais, super service, belle réception, ça joue en deux. Ce coup-ci, c'est bloqué par Johanna Gonzalez, ça pousse en quatre. Ça varie bien le jeu du côté de Montpellier. La passeuse part, Johanna travaille sa balle. Voilà. Oh là 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 là. Très beau bloc encore une fois de Montpellier. Très beau bloc de Montpellier qui est passé à côté de son premier set mais qui propose vraiment quelque chose de différent depuis le début du second set. Et comme le dit Arnold, monster bloc pour Montpellier. Allez, service, service. Ça c'est dommage, c'est dommage. 5-4 pour l'écho, Maureen Chanas au service, un service là pour le coup qui est maîtrisé, qui est propre, qui est régulier, très peu de fautes depuis le début du match pour la passeuse de l'écho.
Allez. Voilà, c'est bien posé, c'est bien tenu. Ça manque un peu d'auteur, mais ça fait le point. Ça fait le point. Voilà. Des choix audacieux de la passeuse de Montpellier qui font la différence actuellement. Louise Hamel. Moins précise peut-être que sa coéquipière. Mais les choix payent, les choix audacieux. 5 partout. Ouais. C'est Turpina qui prend sa plaquette. Peut-être pour apporter quelques précisions pour sa collectif. Là, une passe encore moyenne. Mais surtout, un gros gros bloc de Montpellier. Alors, les supporters de L1 sont en train de se préparer pour faire du bruit. Il va bien falloir ça pour battre les Romanes ce soir. Il va falloir que le 7ème homme d'Aluin soit fort pour battre les Romanes ce soir. Allez, on assiste ici à la salle Michel Bernard, une super rencontre. Allez, d'un côté, les filles de Montpellier qui ne lâchent rien, qui se battent sur tous les ballons. Et d'un côté, la puissance de l'écho, avec de très grandes attaquantes. Numéro 16, Malena. Numéro 14, Barbara. Allez. Du côté du banc de l'écho, ça s'échauffe un peu, notamment la numéro 1. Et Laura, peut-être une rentrée à venir. Au service, en défense, à la passe peut-être. Et super service, très bien servi, mais c'est tenu par la libéro. Ça pousse en 4. Voilà, le système de jeu très bien en place du côté de Montpellier. Ça contre-attaque en pipe. Et ça met en difficulté les filles de l'écho. Et relance, ça va passer au centre. Ça va passer au centre du côté de Montpellier, je le sens. Relance plus. Voilà, il y a une faute de fil. Il y a une faute de fil quelque part. C'est l'attaquante. L'attaquante numéro 10, Natalia. Joueuse très fair play qui a annoncé de suite qu'elle avait fait faute. Qui permet à l'écho de revenir à 6 partout avec Johanna Gonzalez au service. Très belle réception. On va peut-être plus passer au centre. Là, ça manque un peu de hauteur. Ça manque un peu de hauteur. La pointe, tu peux pas aller la chercher plus haut. Et du coup, elle fait la faute. 7-6 pour Orléans. Johanna, toujours au service. La capitaine de l'écho qui essaie de mettre de l'ambiance, Marine Chevalin, qui essaie un petit peu de réveiller son équipe, qui sent qu'elle joue pas à fond. Ouais, très beau service, ça va être une relance. Oui, relance pour l'équipe de l'écho. Voilà. C'est touché en défense, mais voilà, ça fait quand même point. Pour Malena Giancaglia. Ah, c'était plus facile si elle s'appelait Messi ou Maradona, mais non. Allez, on voit à l'écran Monsieur Turpina de Orléans qui essaie d'apporter des consignes aux joueuses de l'écho. Et on attend dans les tribunes aussi les supporters de L1 qui commencent à se placer. Grosse ambiance à prévoir dans la salle Michel Bernard ce soir à 19h. Je le rappelle encore une fois, il faut remplir les salles de volleyball. Que l'on soit du Nord, du Loiret, de l'Hérault ou de la Drôme. Allez, au service toujours Johanna Gonzalez, l'écho qui est sur une très belle série. Allez, très beau service, c'est posé. La pointe qui prend la réception, belle passe. Voilà, et ça fait point dans le carré magique. Super attaque de Cassagno Elise. Ancienne joueuse ayant évolué en élite à Nîmes ou en N2, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, elle a joué à Nîmes. Et la numéro 10 au service, ace pour Natalia. Service peut-être à Orme, mais elle préfère la prendre. Marilyn Chevalier qui enchaîne à l'attaque. Deuxième main, c'est bien essayé. C'est défendu par la libéro. La pointue tout en puissance. La centrale en 6. Pas très académique, mais ça défend. Et gros bloc.
Gros bloc de le Tough Aurore. Allez, le Tough Aurore qui va enchaîner avec un service. Ouais, super service de Lotov. Oh, voilà. Service en plein milieu du terrain, mais Montpellier est en train peut-être de craquer. Et oui, victoire de Parmentier, c'est bien ton frère au commentaire. Et quand c'est un sosie vocal, c'est pas un sosie. Allez, ça défend. Ouais, super défense de la libéro de Montpellier. La passe un peu trop dans le filet, mais c'est sauvé par sa coéquipière. Bon, Inchanas qui renverse sur la pointue, un peu trop bas. Du coup, c'est défendu comme... Enfin, sauf qu'il peut. Hein. Voilà. Allez. Barbara qui est toujours présente pour conclure les points du côté de l'écho. Allez, toujours Aurore Letoff. Peut-être qu'une contre-attaque en poste 2 avec une petite bidouille pour la faire plonger en défense pour être la solution pour Montpellier. Et beau service encore une fois. Out. Et un petit avion. Un petit temps mort du côté de Montpellier, je pense. Pour casser cette mauvaise série. 5 points d'avance pour l'écho. L'écho qui s'envole. Et voilà. Montpellier qui prend un temps mort. Allez. On peut faire confiance au coach Monsieur Fournol Olivier pour trouver la solution. Il l'a trouvé entre le premier et le deuxième set. Il va trouver les mots, le changement pour renverser peut-être la situation. On le voit communiquer avec Pauline Robichon à l'écran. Voilà, on voit les joueuses aussi communiquer entre elles. Allez. On est reparti. Allez, les filles de l'écho qui essayent de mettre de l'ambiance sous l'impulsion de leur capitaine, Mademoiselle Chevalin Marilyn. Allez, réception correcte. Ça pousse à la... Oh oui, c'était très bien joué, mais super défense de Maureen Chanas. Et super renversement de Johanna Gonzalez. Conclu par la pointue argentine Malena, sans bloc. Drôle d'option du côté de Montpellier de laisser la pointue de l'écho sans bloc, même si là elle n'a pas tapé pour le coup. Toujours au service Aurore le Tough. Service P6 en plein milieu. Bon là pour le coup il est en P5, belle réception, ça joue en pipe, ça essaie de varier pour trouver une solution, mais là l'écho est sur une très belle série. La pointue argentine qui tape sur la jag. Allez, jeu de transition pour la libéro. Allez, encore. Allez, Johanna Gonzalez, la patronne du jeu arrière. Super passe. Et, allez, elle était dehors, mais elle est touchée. Allez. Malena qui enchaîne les points à l'attaque. Qui pourrait peut-être nous faire un petit sourire. Non, qui préfère rester concentré a priori. 14-7 pour l'écho. Ça y est, le coach de Montpellier essaie de trouver des solutions avec un premier changement. L'entrée de la numéro 1, Léa, qui reprend sa place, la capitaine de l'effectif de Montpellier. Super réception, ça joue au centre. Et encore un bloc de Barbara Duarte. Allez, hop, ça accélère. Voilà, ça se bagarre. Ouh, la centrale en défense, c'est pas académique, mais c'est défendu. Ouais, c'est bien joué. Voilà. Dommage. Aurore Letoff, fort défense, qui est bien placé, mais qui ne parvient pas à conserver cette balle, mais super sérieux service qui a permis à son équipe de s'envoler un petit peu au tableau d'affichage avec un score maintenant de 14-8. Mais attention au service, la petite Amel Louise qui a fait des ravages au deuxième set va peut-être recommencer un mauvais tour pour les joueuses de l'écho. Super service, sauvé un bras par Johanna Gonzalez. Très belle passe de transition de la libéro, belle attaque, c'est sauvé, c'est défendu. Oui, ça joue. Ouh, beau bloc, mais le soutien est présent. Pipe de Johanna Gonzalez. C'est défendu. C'est un peu le bordel. Allez, ça défend encore. Ça pousse en 4. Marilyn, Chevalin, ça se bagarre. C'est peut-être le point du match. Voilà. Super point
au pouce-pouce de Marilyn Chevalin, le véritable leader de ce collectif d'Orléans, qui pour le coup est très expressive et souriante, à l'inverse de certaines de ses coéquipières. Allez, au service, Malena. Out. Ah oui, out. Ah oui, mademoiselle. En plus, c'est pas en faisant la tête que l'arbitre va vous donner le point, clairement. Allez, service, la capitaine de Montpellier, Mayoub Léa. Excusez-moi si j'écorche les noms de famille et les prénoms. Et voilà. Et Barbara Duarte qui conclut le point en puissance sur une énième basket. Voilà, c'est vraiment son attaque favorite. Et temps mort technique. Deuxième temps mort technique de la rencontre, 16-9 pour l'équipe de Orléans qui semble se diriger vers la victoire de ce troisième set qui ferait donc un score de 2-1. On voit à l'écran le coach adjoint de Orléans qui apporte quelques conseils certainement précieux pour la libéro sur le placement, la réception peut-être. La jeune Amélia Blas également placée par le club de Évreux. Allez, encore 8 secondes de temps mort. On assiste à une très très belle rencontre. Je rappelle la compétition, tournoi d'accession, playoff, les gens appellent ça comme ils veulent. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est les 5 premiers des 5 poules de National 2. Orléans, Montpellier, Riesheim, Romans et les locaux de ce week-end à Lumin. Et tout ça se passe la salle Bernard à Lumin. Allez. Oh là 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 là, encore une fois, Barbara Duarte, super bloc, ou peut-être la passeuse, Maureen, je ne l'ai pas bien vu d'ici, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait point pour Orléans et 17-9. Très bon service, ah non, il reste dans le filet, elle s'excuse auprès de ses coéquipières, on va vite se replacer en réception du côté de Déco pour récupérer tout de suite le fameux service. Allez, au service, Robichon-Pauline. Bon service, réception parfaite de Raya. Et la finition, Barbara qui est défendue, ben non, qui n'est pas défendue, c'est dommage. C'est dommage parce que pour la défendre celle-ci, il faut quand même s'accrocher. Et quand elle est défendue, ben, il faut que les coéquipiers suivent, sinon ça fait encore point. Hey, service loupé pour Barbara, deuxième de suite pour l'équipe d'Orléans de loupé. Attention à ne pas se relâcher comme au deuxième set. Montpellier serait capable de revenir dans la rencontre. Après, faut peut-être mieux se relâcher maintenant qu'au quatrième set. Et à 18-11, l'avantage est encore large pour l'équipe de l'Echo. Au service. Ouais, deuxième main tentée, elle passe, elle passe. Oh là là. C'est clairement pas ouf, mais ça passe. Attention à la joueuse de Montpellier qui a pris un choc avec le ballon, Angèle je crois. Ça va, elle sourit. Plus de peur que de mal pour la pointue de Montpellier. Allez, Maureen qui après cette deuxième main passe au service. Très beau service, poste 5 qui met en difficulté la réception, attaque aux 3 mètres. Ou belle attaque, belle attaque. Attention, ça travaille, Marilyn défendue. Ouais, ça force au centre. Out. Allez. 20-11. On se dirige clairement vers un troisième set en faveur de l'Echo. Peut-être encore un ou deux changements. Oui, voilà, effectivement. Changement de passeuse du côté de Montpellier avec la titulaire qui retrouve sa place. Donc, titulaire qui s'appelle Justine Girard. Qui va vouloir prouver. Parce que la petite Amel a fait une super entrée. Allez, très beau service encore qui m'a discuté. Basket en manchette. Non, c'est dommage. C'était audacieux. C'était audacieux. Sinon, il faut tenter 21-11. Je pense qu'il reste encore un temps mort aussi du côté de Montpellier. Il est peut-être un peu tard, mais bon.
Il servira plus à rien, on peut pas le garder pour le prochain set. Donc autant l'utiliser. Et service court. Et ça fait pas. Tout leur réussi sur ce troisième set. À l'écho. Voilà. Deuxième temps mort pour Montpellier. Pris à 22-11. Peut-être un peu tard, je pense. Mais on sait jamais. Volleyball féminin. Vous êtes aussi bien placé que moi pour le savoir. Renversement de situation, ça existe, ça arrive. Allez. Au moins retrouver une dynamique positive pour l'équipe de Montpellier pour ce dernier set. Ou avant-dernier. Pour aller chercher le tie-break peut-être derrière. Allez, puis qui s'encourage. Ça peut le faire, ça peut le faire, mais tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors du côté de l'écho en plus, la pointue est devant. Voilà. Johanna. Et Aurore au centre. Donc Aurore, Malena et Johanna pour terminer les points du côté de l'écho. Et très bon service, encore une fois, pas de faute. Ça passe au centre, c'est pas défensif. Voilà. Allez, on repasse sur des choses simples et efficaces du côté de Montpellier. Service passé, on passe au centre et ça termine les points. Voilà, allez, retrouver de l'agressivité au service, retrouver des sensations au service pour l'équipe de Montpellier. Petit changement du côté, double changement du côté de l'écho avec l'entrée de la deuxième passeuse. Et Laura, Martelière, et une réceptionneuse, la numéro 7 pour Montpellier, d'Argérie, Elissa. Donc c'est bien, le score est large, l'entraîneur en profite pour faire jouer tout le monde participe à la fête. Mais attention à ne pas relancer Montpellier. Ah ben voilà, super changement qui a permis de casser la dynamique, casser le service. Bon, la petite ressort tout de suite, peut-être il aurait peut-être pu la laisser sur le terrain, 23-12. Mais voilà, on est sur un tournoi de playoff, on est sur un tournoi d'accession en élite. Allez, changement également du côté de Montpellier avec l'entrée de Eva Colonna qui prend la place de Esplora Natalia. Petite tentative d'accent ridicule d'Argentine. J'ai jamais mis les pieds, mais c'est pas grave. Et service, Johanna Gonzalez. Très beau service. C'est tenu, sa force. Et voilà, Eva Colonna qui vient de rentrer, qui va peut-être mettre le point. Non, c'est ramené sur le terrain par Johanna Gonzalez. Et Marilyn qui donne du temps à ses coéquipières pour revenir. Ça passe au centre. Non, passe loupé. Contre-attaque pour Orléans. Là. La jeune passeuse qui lève. Marilyn qui met le point tout en puissance. Voilà, portée. Dommage, Eva Colonna qui ne parvient pas à garder le ballon. Allez, on voit la numéro 4 de Montpellier qui organise son jeu. Balle de 7 pour l'écho. Qui a accéléré à nouveau pour prendre ce troisième set. Très beau service de Johanna, la libéro en difficulté. Passe en manchette. Ça passe. Allez. Allez, là il est plus question, je pense, de gagner 7 du côté de Montpellier, mais plutôt de retrouver une bonne dynamique. La jeune Eva au service. Faut tout lâcher. Faut tout lâcher, faut pas se poser de questions. On sait jamais. Et 24-13, première balle de 7 sauvée par Montpellier. Et beau service. Belle réception. Bah, c'est bien. Allez, la pointue, ça attaque, ça défend. Jeu de transition. Relance pour l'écho. Peut-être du jeu au centre. Non, ça renverse la pointue. Non, c'est trop poussé, c'est trop poussé. Relance loupée. Ah, c'est brouillon. C'est brouillon, mais c'est normal. La jeune passeuse vient de rentrer. Faut le temps qu'elle trouve ses marques. Pas dû jouer beaucoup cette saison. Jamais facile de rentrer sur ce genre de rencontre. Faut que ses coéquipières élèvent leur niveau de jeu pour terminer ce set. Allez, Eva Colonna toujours au service. Service flottant. Ce match est flottant. Ouf, carré magique. Carré magique. Service qui est parti un peu. On le voit à sa tête, elle est tout sourire. Service carré magique. Peut-être un peu de chance pour Eva Colonna, mais bon, c'est pas grave. On prend. On prend du côté de Montpellier. On relance la dynamique. On relance la machine pour le quatrième set. Allez, Eva Colonna, troisième service. Voilà, service beaucoup plus propre qui met en difficulté la libéro. Johanna Gonzalez, la patronne. Voilà, beau bloc. Soutien, ça renverse. En 6. Ouais, mauvaise défense de la centrale, dommage. On sent que quand l'équipe de l'écho est en difficulté, il y a Johanna Gonzalez. C'est un peu, on lui donne tous les ballons, un peu merdique. Mais voilà, c'est la patronne.
Elle n'a pas les plus belles balles, mais elle fait très peu de fautes, très peu de fautes, tout comme leur passeuse Maureen Chanas au service, qui a été très précieuse sur ce set et dans la distribution. Allez, petite pause de 3 minutes et on attaque le quatrième set entre l'Echo et Montpellier. L'Echo qui jouera ce quatrième set pour remporter la rencontre 3-1 et Montpellier pour essayer d'aller chercher le tie-break. J'en profite également pour vous annoncer qu'à 19h, l'équipe de Luyens rencontre l'équipe de Romans. Deux équipes pour le moment invaincues dans cette compétition. Allez, on est reparti pour ce quatrième set entre l'Echo et Montpellier. Toujours pas de changement du côté de Orléans, le 6 traditionnel, valeur sûre. On est là pour empocher la première rencontre et prendre sa place sur le podium de cette compétition. Et du côté de Montpellier, c'est pareil, on redémarre avec le 6 de base. Oui. Ouais. Voilà. Et vous êtes 59 à regarder cette rencontre en direct. Là, au service, on commence avec la centrale. Aurore, le Toff. Alors, à mon avis, c'est surtout pour Barbara Duarte en 4 et commencer avec la ligne la plus forte devant pour tout de suite ne pas laisser espérer l'équipe de Montpellier. Et service Aurore. Réception qui est tenue, sa force en basket. C'est très bien fait. Très bien fait, c'est propre. Voilà. On sent du côté de Montpellier une vraie équipe de copines. C'est simple, quand elle joue avec le sourire, elle gagne le set. Donc faites-vous plaisir et allez nous chercher un tie-break, on veut du spectacle. J'ai aucune préférence sur le terrain, je veux juste voir des beaux matchs. Et service de la numéro 3 qui m'a difficulté, la pointue, oh, c'est défendu, la libéro qui prend la défense, passe de transition sur la pointue, mordu, j'ai l'air, oh, mordu d'un fil. Grosse faute, suivant, on oublie, on passe à la balle suivante. Allez, service smatché à venir pour mademoiselle Malena Giacaglia. Malena. Allez, service plus spectaculaire qu'efficace pour le moment, mais attention à la série. Voilà. Toujours spectaculaire, mais toujours aussi peu efficace du côté de Orléans avec la pointue qui sert une nouvelle fois dans le filet. Allez. Au service, mademoiselle Robichon-Pauline, en appel inversé toujours, et de ce côté-là, ça fait ace, voilà, moins de fantaisie du côté de Montpellier, dans l'intervalle, R4 libéro, et Johanna qui se met d'accord avec la libéro, qui organise tout ça, voilà, le petit clin d'œil pour rassurer sa coéquipière,
C'est vraiment la métronome de cette équipe de l'écho. Allez, voilà. Allez, réception très moyenne. Allez, Johanna qui somme encore les meubles. Ça va forcer au sort. Le deuxième main, c'est bien joué. C'est bien joué. Très belle variation de mademoiselle Girard Justine qui permet à son équipe, attention, de déjà creuser un peu l'écart. 4-1. Et le coach d'Orléans qui ne veut pas laisser l'équipe de Montpellier espérer aller chercher ce tie-break. Et du coup qui prend un temps mort. Ah, le retour du supporter romanais, Laurent, complètement déchaîné. Et déjà en place pour la rencontre de 19h, je répète, à l'U1, Orléans qui risque de commencer en retard puisqu'on va assister, je pense, à un tie-break. Bah j'espère. Allez, deux équipes sont déjà prêtes. Bah, l'équipe de Orléans est déjà prête à revenir sur le terrain. Allez, la réception classique du côté de Orléans avec Amalia, Johanna et Marilyn. Et service flottant. C'est bien tenu par la libéro. Ça force la basket avec Barbara. Pour... Et voilà. Allez, pas de discussion. Possible quand elle est en situation maximum, c'est du 70-75% d'efficacité, voire plus. Au service, Marilyn Chevalier. Chevalin, excusez-moi. Allez, très peu de fautes aussi sur cette joueuse au service. On sent de toute façon que l'équipe est équilibrée du côté de l'écho avec des joueuses en prise de risque, des joueuses tout en gestion. Et grosse faute de la pointue de Montpellier. Voilà, monsieur Sanchez qui est passé à la buvette pour se restaurer. Et c'est pas de la blonde hein, qui boit, elle est bien foncée. Bon. Allez, réception moyenne, mais ça force au centre. Voilà, super attaque. Super attaque de Eva Colonna pour Montpellier, 5-3. Allez, la passeuse de Montpellier au service. Mademoiselle Girard, Justine. Le coach passe des informations, le souhait en tout cas. Après, entre le souhait de l'entraîneur et la réalisation, des fois il y a quelques mètres d'écart. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, service flottant. Allez, très beau service. La libéro qui tient, ça passe sur Barbara. Et voilà. Alors, je vous ai dit 70-75% d'efficacité. C'est propre. Elle passe derrière. À Montpellier d'accélérer quand cette joueuse est derrière. À Montpellier d'être plus efficace quand cette joueuse est derrière. C'est la seule solution pour battre cette belle équipe d'Orléans qui a fait une saison magnifique dans leur poule. 20 matchs, 20 victoires, 3-7 de perdus. Allez. C'est difficile, mais ça passe. Voilà, là, là, c'est beau. Voilà, voilà. Des choix audacieux, parfois un peu compliqués, mais ça fait point. Allez, au service numéro 1 et capitaine Léa pour Montpellier. Toujours la même réception. Attention, passage avant du côté de l'écho. Attention aux deuxième main. Et beau service, très beau service. Oh là 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 là. Encore un très très beau bloc de Montpellier. Alors équipe avec quasiment que des Françaises. Je crois qu'il y a une seule étrangère, une Argentine. Mais avec des gabarits impressionnants. Alors Montpellier forcément bassin de pratique très intéressant pour les études, etc. Donc quelques facilités par rapport à d'autres clubs pour recruter des Françaises. Mais on peut noter quand même des gabarits très intéressants du côté de Montpellier. Allez, plan de jeu respecté, bien défendu, la pointue gauchère. Ça contre-attaque du côté d'Orléans, ça pousse en 4. Encore une fois, libéraux. Ouh là là, très audacieux. Ça fait pas le point. La centrale à la passe, tout de suite, hein, c'est difficile, c'est compliqué. Belle passe. Ça passe pas pour moi, ouais, 4, voilà. Allez, dommage, dommage. Montpellier n'a pas su profiter de la relance. C'est dommage. 7-5, 7-5. Attention à Maureen au service. Maureen Chanas, une des meilleures serveuses de l'écho, je pense. Si ce n'est la meilleure serveuse de l'écho. Très peu de fautes. Et surtout, la ligne devant, très offensive. Un très beau service encore une fois. C'est tenu malgré tout. Ça renverse en 4. Voilà. Voilà, point. Ah, monsieur Turpina lui demande ball out. Depuis le début de la rencontre, a été très fair play en annonçant les balles out et in. Et pas forcément d'accord sur celle-ci, mais en tout cas, l'arbitre a choisi 8-5 pour l'équipe de Montpellier. On se dirige peut-être vers un tie-break. Je ne sais pas dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez Montpellier? Est-ce que vous voyez Orléans remporter ce set et le match?
Allez. Encore 30 secondes de récup, 30 secondes de placement, de conseil. Voilà, il reste 30 secondes, 20 secondes, les joueuses parlent entre elles, c'est là qu'on voit les leaders. Marilyn du côté de l'écho. Côté de Montpellier, on voit la libéro et la passeuse qui discutent ensemble. Justine et Anaï. Attention à l'équipe de Romand qui arrive dans les tribunes. Arrive au vestiaire pour se préparer. Allez, changement pour Montpellier. L'équipe de Montpellier qui effectue un premier changement avec la rentrée de Castagnan Elise. Au service Eva Colonna. Un moment important pour l'équipe de Montpellier. Service poste 1 bien tenu par Johanna Gonzalez. Ça enchaîne. Et gros bloc encore. Ça va faire un. Oh, Maureen qui se pose pas de questions. Qui attaque mieux que certaines attaquantes peut-être sur celle-là. Ouf, la pointue qui répond. Relance encore pour Montpellier. Est-ce que ça va forcer au centre? Ça force pas. Ça accélère en 4. Voilà, c'est soutenu. Mais c'est renvoyé directement du côté de l'écho qui va pouvoir contre-attaquer. Tout de suite. Alors, quand Barbara Duarte n'est pas au filet pour Orléans, c'est quand même beaucoup plus dur pour terminer les points. Voilà. Très joli échange entre Montpellier et l'écho. Alors Maureen a cherché la fille, une joueuse pour finir le point. Mais tout de suite on sent que quand Barbara Duarte n'est pas devant, alors Orléans c'est quand même un peu plus compliqué pour terminer les points. Même si ça reste une très 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 belle équipe. Et service Eva Colonna toujours. Et poste 1, voilà. Ah là 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 là. Cette zone de conflit entre Johanna et la libéro. C'est une mine d'or. Il y a un trou. Pour moi la R4 est peut-être plus à l'aise que la libéro en réception, mais n'ose pas lui prendre le ballon et la libéro n'ose pas lui prendre, etc. C'est la difficulté. Et toujours beau service, poste 1, toujours. Et il dépasse les limites du terrain. Heureusement pour l'écho, la libéro qui peut souffler. 10-6 pour Montpellier. Plus 4. Mais attention, Johanna Gonzalez au service. C'est pas monsieur propre de l'écho, mais c'est madame propre. Pas de faute. Joueuse très intelligente. Comme quoi il faut pas forcément faire 1m85 pour jouer en ligne 2. Belle défense de la libéro. C'est renversé, c'est sauvé par la pointue. Passe difficile. Pouah. C'est sauvé comme elle peut. Voilà, belle défense. Belle passe. Et encore du soutien. Et dommage. Dommage. Un manque de précision du côté de Montpellier qui les empêche de terminer ce point malgré de nombreuses occasions de contre-attaquer. Et Johanna Gonzalez qui va pouvoir continuer sa série au service avec la passeuse en passeuse P5 du côté de Montpellier, donc passeuse arrière. Et Johanna Gonzalez, très bon service, très long. Et service à out. Voilà, comme quoi il ne faut jamais dire qu'une joueuse ne fait pas de faute puisque vous pouvez être certain qu'elle finit par la faire. Allez, la numéro 11 au service. Elise Cassagno. Allez. Et Maureen Chana sans P6, passe à l'arrière du côté d'Orléans. Prio, la pointue. Très beau service, bien tenu par Johanna. Voilà, sur la pointue, c'est joué sur la pointue, mais gros bloc. Gros bloc. Ballon un peu difficile, on balance sur Marilyn. Et Marilyn, voilà. Moins spectaculaire que la pointue, mais tout aussi efficace pour l'écho. Et surtout, très précieuse dans le fond de jeu de cette équipe. Allez, au service, Aurore Lotoff. Ce qui veut dire aussi retour de Barbara Duarte sur la première ligne. Allez, là, du côté de Montpellier, il va falloir serrer les rangs, serrer le bloc. Allez, réception moyenne. Et voilà, déjà un point facile pour Orléans sans solliciter Barbara Duarte. Allez, c'est maintenant que le set se joue, soit Montpellier reste devant et fait passer Barbara derrière, soit l'écho repasse devant et accélère. Deuxième très bon service, relance, attention, voilà, relance parfaite, on passe au centre, boum, allez hop, premier point pour Barbara. Ça paraît simple quand on le dit, mais il faut le faire quand même. Orléans qui revient à -1.
C'est maillot. Allez, service Aurore. Et réception qui est tenue. Premier sur les trois derniers. Et tout de suite, ça fait la différence. C'est sauvé encore par l'équipe de Montpellier. Barbara qui sait faire autre chose qu'attaquer, qui fait une belle passe. Et point pour Malena. Allez, voilà, la pointue d'écho qui commence à se réveiller. Temps mort pour Montpellier après cette série de 3 points de l'écho. Allez, on est reparti. Premier temps mort pris par le coach de Montpellier. C'est simple, faut tenir la réception. Faut tenir la réception, faut être agressif. Et il faut faire tourner rapidement cette équipe de l'écho qui est sur sa position favorite, je pense. Allez, Aurore, le tough au service. Voilà, service long, flottant, difficile. C'est loin du filet. Allez, contre-attaque. Ça passe au centre. Oh, voilà. Et Barbara qui ne fait pas tous ses points comme quoi. Voilà, grosse faute. Montpellier qui se désole. On va changer de mot. Montpellier qui cracouille. C'est dommage, faut pas baisser la tête. Elles sont pas loin. Elles sont pas loin. Il faut se ressaisir tout de suite. Faire le bon choix. Allez, allègement, réception, on est parti. Allez, déplacement, parfaite la réception. Ça passe au centre, non, ça accélère en 4. Encore une grosse faute. Encore une grosse faute pour l'équipe de Montpellier. C'est compliqué. Compliqué pour les filles de Montpellier. Allez, les supporters d'Aluin qui se mettent en place pour la dernière rencontre de la journée à 19h, 19h30 peut-être. Allez, out. Merci. Merci Aurore qui relance un peu la rencontre mais qui a fait une super série de services. Qui permet à Montpellier de respirer et de repartir au combat dans ce 4ème set. Allez, numéro 3 au service, Fraboulet Camille. Une des patronnes de ce collectif de Montpellier. Allez, Maureen Chanas en P5, passe aux arrières, du coup très beau service, pour pas dire magnifique ace. 13 partout. Les revoilà de nouveau à égalité dans ce 4ème set. Allez, les pronostics, c'est maintenant. Tie break ou pas? Allez, deuxième beau service. Attention à bien communiquer. Mauvaise passe un peu loin du filet. Ce qui permet à Orléans de défendre. Barbara, belle passe. Allez, ça doit être défendu, ça doit être défendu. Allez, il faut trouver la solution. La paille peut-être. Voilà. Et c'est bien défendu par Johanna. Belle passe. Et encore, c'est encore défendu. C'est le point du set, je vous l'annonce. Ah là 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 là. Que. Une choix bizarre, c'est bizarre, bizarre tout ça, c'est dommage d'alterner le si bon et de faire des grosses bêtises comme ça. Peut-être le moment de faire entrer, je ne sais pas moi, la petite Amel, Louise, elle fait une super entrée au deuxième set, elle peut faire du bien. Allez, au service, Malena Giacaglia va peut-être me faire mentir. Non, on voit encore un service qui n'est pas totalement maîtrisé mais qui passe tout en puissance. Ah dommage, dommage, Barbara présente au filet. Barbara, belle présence au filet qui permet à l'écho de marquer le point. Alors, service, mais ce match est dommage à l'écran, vous ne le voyez pas forcément, mais je trouve que le lancer n'est pas totalement maîtrisé. Alors on va l'avoir de dos là. Voilà. Des fois il est très bien, des fois il est un peu aléatoire. Voilà, là il est un peu derrière, mais ça fait point, ça fait point. Voilà, ça fait point. Quand ça passe, ça fait point. Mais il faut le passer. Voilà. Allez, 16-13 pour l'équipe de l'écho qui. Reprend un petit fauteuil, un petit espace, un petit coussin, ce que vous voulez. Mais en tout cas, qui mène au score. Qui mène au score. Et DJ Arnold au platine qui essaie de mettre de l'ambiance dans la salle Bernard. Mais je pense que les supporters se préservent pour la dernière rencontre. Allez. 30 secondes encore de temps mort. Il faut faire tourner le service du côté de Montpellier. Il faut
continuer à travailler son service en régularité pour le côté d'Orléans. Allez. Coach Turpina a passé les infos. Son coach adjoint continue avec la capitaine Marilyn Chevalier. Allez. C'est peut-être la première victoire pour l'Écho dans cette compétition qui va les relancer. Qui va les relancer complètement, je pense. Qui vont même aller rechercher une troisième place. Et qui jouera un match très important de mon contrat lui. Hein. Allez. Au service, Malena. Joueuse intéressante. Les supporters de l'Écho présents dans la salle qui font un petit peu de bruit. Allez, Malena au service. Voilà, bien lancé et out. Alors, joueuse pour ma part intrigante. Intrigante, clairement. On sent le potentiel. Je dis pas qu'elle n'est pas bonne, je dis juste qu'elle est intrigante, c'est différent. Allez. Service, appel inversé du côté de Montpellier, pas très académique mais ça met en difficulté. Malena tout en puissance. Bon, oh dommage, dommage le gros bloc de Evela. Colana qui passe pas loin. Petite orientation des mains un peu plus vers l'intérieur et serait fait point pour Montpellier. Et au service Marilyn Chevalin. Alors clairement là on n'est pas sur le même style de service, on est sur un service tout en maîtrise pour la capitaine. Voilà, c'est posé, poste 1, bien libéraux. Et voilà, à la petite Colana qui se fait plaisir. Eva qui se fait plaisir entre les blocs, les bidouilles, les petites attaques. Elle nous fait voir toute sa palette, c'est intéressant. Voilà, l'équipe de Montpellier qui commence à retrouver des sourires. 17-15. Et je répète, moi je mettrai un billet sur la petite Amel Louise au service pour cette fin de set et peut-être permettre à son équipe d'aller chercher le tie-break. Allez, service pour Justine. Très beau service aussi, belle réception. La pointue qui arrive. Oui. Non, 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 pas la passeuse, ses premiers ballons. Voilà. Voilà, ça va pas revenir. Voilà. Ça se bagarre du côté de Montpellier, c'est pas super propre, mais ça fait point, c'est le principal. Attention au retour direct, ne pas les laisser à la passeuse. Allez, on reste concentré du côté de Montpellier. Encore une rotation du côté d'Orléans avec Barbara Duarte sur la première ligne pour faire tourner ce point et garder l'avantage. Et servir dans l'intervalle de libéraux. Oui, et voilà, et voilà. Voilà, voilà. Super service de la passeuse de Montpellier qui permet à son équipe de reculer au score. Alors j'essaie d'être le plus neutre possible dans le commentaire, dans les commentaires de ce match. Mais je trouve que la zone de la libéraux est quand même la zone à viser du côté des serveuses de Montpellier. Et service out. Dommage, 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 dommage. 18-17. Alors Montpellier s'en sort bien. Duarte passe derrière. Avec un seul point de retard pour Montpellier, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être propre. C'est maintenant qu'il faut plus faire de fautes. Et Orléans, eh ben, allez, faut accélérer pour finir le job. Allez, non, ça craque en réception. Au plus mauvais moment pour l'équipe de Montpellier, alors que Aluin arrive dans la salle, les filles d'Aluin arrivent dans la salle avec en tête Alexia Arnaud qui arrive dans la salle. Voilà, le stade se lève. Voilà. Allez, Montpellier en réception. Ouais, ça tient. Ça tient un peu, c'est ce qui joue en 4 classique, la pointue. Voilà. Allez, belle passe de Maureen. Allez, et voilà. Attention, on peut passer. Allez, point, attaque dehors de l'équipe de Orléans. Et point donc pour Montpellier, 18-19. Allez, fort à parier qu'ils vont servir dans la zone P1, P6, entre la libéraux et Marilyn Chevalier. Et mettre une prio au bloc sur Johanna. Ah non, ils ont décidé de servir sur Johanna. Ouh, dommage, dommage, dommage. Et va un peu tendre au filet. Et Lamire, Lamire, Lamire. Et point pour Montpellier. Voilà, super point pour Montpellier. Ah, super point, non, faute de Orléans. Attention, 19-19. Le suspense est à son comble. Les supporters des deux équipes n'osent plus trop faire de bruit. Allez, beau service. Oh là là. Quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Allez, Marilyn, reconcentre-toi. Tu es le leader de cette équipe, ça se voit. Ton équipe a besoin de toi. Et je pense que Emmanuel Turpina prend un temps mort pour lui rappeler que c'est elle la patronne. Elle a le droit à l'erreur comme les autres. Mais son équipe a besoin d'elle. Allez, temps mort.
Allez. Voilà. On sent malgré tout de la sérénité dans le staff de Orléans. Une consigne courte et claire. Et pareil, du côté de Montpellier. Allez. On confirme, on y va. On joue avec l'envie, on s'arrache. Allez, moi j'aimerais bien voir, en tant que là, supporter neutre, j'aimerais bien voir la petite Amel Louise rentrer sur cette fin de set après. Pourquoi pas sur Eva Colonna qui est centrale, et que les centrales souvent c'est pas ouf en service défense. Donc pourquoi pas la petite rentrée de Amel sur la centrale aux prochaines rotations, à voir. Allez, beau service. Et Marilyn qui s'est reconcentrée, qui a reposé une réception, Johanna en 4, out. Oh là 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 là. Fin de set bizarre pour Orléans qui craque, un peu comme la scène passée contre Romans. Avec trois fautes, la semaine passée sur les trois derniers points. Et là, un peu la même cas de figure avec des fautes bêtes, des points donnés à l'équipe de Montpellier. Mais Montpellier ne fait pas de faute, Montpellier ne touche pas le ballon. Allez. Et voilà, j'ai parlé trop vite. Mais belle série quand même. Allez, on passe au point d'après, 21-20. 21-20 pour l'équipe de l'Echo. Avec devant Johanna Gonzalez, Malena et Aurore. Au service, très bonne serveuse, Maureen Chanas, très bon service P1, mais qui est très bien tenu en réception, qui peut jouer en deux sur la pointue. Allez, elle est touchée, elle n'est pas touchée, D'après les arbitres, elle n'est pas touchée. On se reconcentre, c'est dommage ça. Surtout que la réception était belle sur le super service de Maureen Chanas. Ça voudrait être le coup de prendre un temps mort pour essayer de casser son bras. Vraiment, très peu de fautes au service cette joueuse. Je rappelle, passeuse, et passée par Ivreux. Service P5, réception moyenne. Passe moyenne et attaque moyenne. Du coup, c'est défendu par Marine Chevalier. Sa contre-attaque sur la pointue. Et la bidouille qui est un peu longue, qui est défendue par l'équipe de Montpellier. Passe moyenne, ça va travailler, ça travaille. C'est défendu encore par Marine. Ça pousse en 4 sur Johanna. La bidouille, c'est défendu encore par la passeuse. Allez, Montpellier. Clairement, ils attendent la faute de Orléans peut-être. Non, Orléans, ça défend encore. Allez, pipe. Oh là 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 là, c'est chaud, attention à la centrale sur la passe, voilà, passe de transition d'une centrale, c'est toujours chaud, c'est toujours compliqué, ça passe au centre, Eva Colonna, ça défend. C'est le point du set, peut-être le point du match, magnifique relance, ça doit encore passer au centre, ça aurait dû passer au centre, mais ça passe pas, et c'est point pour Montpellier, un super rallye, et qui est conclu par Élise Cassagnan, voilà, Eva Colonna au service, pas de changement du côté de Montpellier pour le service. Eva qui avait mis une belle série sur son dernier passage au service. Allez, de l'autre côté de l'écho, ça passe les consignes. Allez, encore deux rotations pour récupérer Barbara pour peut-être finir le set. Allez, réception Johanna, Amelia et Marie. Allez, très bon service, mais oui, il est bon, il est sur la ligne. Magnifique service, hésitation toujours entre Johanna et Amelia. Allez. Si vous êtes supporter de Leco, ben il faut encourager Amelia. Si vous êtes supporter de Montpellier, il faut continuer à demander à servir dans sa zone. Mais ça va le faire. Pourquoi pas les filles d'expérience comme Johanna et Marilyn qui peuvent l'aider un peu plus, l'accompagner, lui parler, la rassurer. Allez, service Eva. Super service, mais qui sort des limites du terrain. 23-22. Allez, c'est chaud. Alors du coup, si mes calculs sont bons, Montpellier pourrait passer à 24. Sans que l'écho ne récupère Barbara Duarte qui est quand même un cran au-dessus au niveau finition avec service Johanna. Service Johanna, réception pour Montpellier, passe aux arrières du côté de Montpellier. Réception plus que correcte, belle passe, belle attaque. C'est défendu par Marilyn Chevalier, ça va contre-attaquer sur la pointue, normal, mais beau bloc. Ah, oh là 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 là, ça se joue à 3-4 cm. Allez, il reste un temps mort du côté de Montpellier peut-être, 23 partout. Voilà, deuxième temps mort pour l'équipe de Montpellier qui va casser le service. C'est simple, il faut une belle réception du côté de Montpellier. Du côté de Orléans, un service agressif et dans le terrain. Allez. Allez, 3 secondes, on est reparti. Je vous avoue que j'aimerais bien voir un petit tie-break entre ces deux équipes. Allez, on essuie les avant-bras. Achetez des manchons chez Badasport. Ça vous évite d'avoir les bras qui glissent. Petit placement de pub. Allez, service Johanna.
Ouais, très beau service, la libéro qui tient, on prend un risque du côté de la passeuse. Risque pas payant, la libéro qui fait la passe de transition, qui joue sans Marine Chevalier, Marine Chevalier la bidouille, magnifiquement placée. La centrale qui se bat, ça sauve. Allez, Johanna Gonzalez qui travaille. Marine, hop, allez, contre-attaque pour Montpellier. Contre-attaque pour Montpellier, c'est maintenant qu'il faut marquer le point pour Montpellier. Oh là 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 là, la pointure en défense, pas très à l'aise sur ce secteur de jeu. Relance pour Marine Chevalier. Il faut passer au centre, il faut passer au centre. C'est fait. Et ça fait point. Et ça fait point pour Montpellier. 24-23. C'est simple pour les passeurs, c'est sûr. C'est plus compliqué de passer au centre. Mais quand vous avez une Barbara Duarte, quand vous avez des joueuses du gabarit de Montpellier, passer au centre, c'est plus de 50% d'efficacité, c'est sûr. Mais il faut la défense, il faut la réception. Allez, service pour la joueuse d'expérience de Montpellier. Élise Castagno. Je pense pas qu'elle va le louper, elle a l'expérience. Et super service, c'est posé. Poste 6 sur la libéro, réception très moyenne. La passeuse qui se débrouille, qui sauve. Allez, ça va faire relance. Il faut encore passer au centre. Il faut encore passer au centre. Dommage que la libéro n'ait pas pris cette balle. La centrale qui enchaîne. C'est défendu. C'est défendu. Maureen Chanas sur la pointue. Voilà, beau bloc, c'est tenu. Et là, elle tombe dans le terrain. Super. 24-23, tie break pour l'équipe de Montpellier. C'est mérité. Ils se battent avec leurs armes, avec le cœur. C'est très très bien joué pour les filles de Montpellier. Allez, tie break une nouvelle fois pour l'équipe de Orléans, une nouvelle fois pour l'équipe de Montpellier. C'est une équipe très attachante, l'équipe de Montpellier. Et du côté de Déco, voilà, aussi de super individualité. On assiste à une très très belle rencontre. Allez, encore une fois, monsieur Decorde, juste à mes côtés, grand arbitre de la Ligue de France. À la place, je ne fais pas du placement de produit, mais on ne sait jamais. Si un jour je reviens entraîner ici, au moins, il ne mettra peut-être pas de carton celui-là. Allez, tout le monde en place, dans son canapé pour ce tie-break. Mais après, si vous avez la possibilité de venir, vraiment, je vous le conseille. C'est une fête du volleyball. Si vous aimez ce sport, il faut le développer. Et il n'y a pas 50 solutions, il faut venir à la salle. Hein. Soit vous êtes un mécène, soit vous êtes un partenaire, soit vous venez à la salle et vous participez de façon active. Faites du bruit. Voilà, allez, on est là. Pour se faire plaisir avant tout, les équipes qui veulent monter vont accéder à l'élite puisque deux équipes ne souhaitent pas y aller pour des raisons de politique sportive ou de finance. Donc du coup, il n'y a pas de pression sur ce tournoi. Il y a, oui, effectivement, il y a une médaille à aller chercher, mais pas de pression, donc extrêmement de bonne ambiance, de la bonne ambiance entre les entraîneurs, entre les joueuses, etc. Bon, je n'irai pas dire jusqu'à ce que les entraîneurs et les arbitres cohabitent, mais voilà. Allez, les supporters d'Alu1 qui commencent à s'échauffer, à faire du bruit pour les deux équipes aussi. Allez, allez. Allez, monsieur l'arbitre, mettez-nous ça en place. On veut du volley-ball. Allez, c'est parti. Pas de changement du côté de Montpellier, on ne change pas une équipe qui gagne. Et pas de changement du côté de l'Orléans. Alors, est-ce plus par choix ou par possibilité, on le verra bien. Alors, la joueuse à surveiller du côté de Orléans, Barbara Duarte, qui est en P4. Voilà. Normal, on commence avec son attaquante la plus dangereuse. Et au service, Aurore Letoff, qui, malgré son poste, a surfait le job sur le service et sur la défense. Allez. Et Aurore Letoff, toujours au service pour ce début de tie-break. Allez, donc 2 points ou 1 point pour ces deux équipes. Ouais, beau service. Réception un peu compliquée pour Montpellier, qui renverse en 1, mais ça va jouer tranquille à 10 doigts. Johanna Gonzalez qui court, ça joue sur la pointue, du classique, du propre, mais elle fait grosse. Voilà. Voilà, voilà. Bien joué de la part de l'équipe de Montpellier qui force l'équipe de Orléans à passer sur sa jeune pointue.
Allez, au service, donc la numéro 3 de Montpellier. Camille Faboulet. Allez Camille, les supporters de Montpellier comptent sur toi. Super service, très fort. Alors, out. Alors je dis super service parce que pour moi, il faut prendre des risques sur ce tie-break. Il faut pas jouer petit bras. Et elle a pris des risques, c'est bien. On est un partout, si elle ne prend pas des risques maintenant. Voilà. Et au service, la numéro 16. Allez, montre-moi que j'ai tort. Montre-moi qu'on peut faire des séries en service ce matcher. Et que ça peut être efficace. Allez, beau service, mais super réception. Voilà, ça joue en basket. C'est bien, c'est bien. C'est défendu. Barbara Duarte qui est précieuse. Et, ah, out, out, peut-être, non. Ah, elle est bonne. Elle est signalée bonne par l'arbitre. Ah, est-ce qu'il va me permettre de revoir ma copine Malena au service? Voilà. Allez. Montre-nous. Montre-moi. Voilà. Ah, c'est super bien maintenu par là. Libéro, Barbara Duarte. Oh là 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 là. Alors forcément, forcément, ça fait plaisir aux joueuses de Montpellier. Mais il ne faut rien retirer à la performance de Barbara. Hein. C'est normal, elle ne va pas mettre tous les points, sinon elle ne serait pas ici. Hein. Mais c'est une super joueuse, mais excellent bloc de l'équipe de Montpellier. Allez, numéro 5. Pauline Robichon au service. Appel inversé, je rappelle, hein, ça me tique un peu, mais c'est comme ça. Réception moyenne. Allez, ça travaille, ça travaille. Allez, ça joue en paille du côté de Montpellier. Ça manque de connexion au niveau de la passeuse. Belle relance. Hop, deuxième main. Et voilà, super. Alors tout le monde ne lâche pas des yeux Barbara parce que tout le monde s'attend à une grosse attaque de Barbara Duarte. Et Maureen joue avec cette fixation et dépose intelligemment ce ballon au cœur du terrain. 3-2 pour l'écho. Et au service, Chevalet Marilyn, capitaine d'Orléans. Super service court qui fait plonger une de ses adversaires. Allez, belle attaque de la pointue de Montpellier. Défense du côté de Montpellier, c'est loin. Johanna qui travaille sa balle mais qui met le point. 4-2. Allez, il va falloir casser la série tout de suite du côté de Montpellier si on veut rester dans le match, dans le tie-break. Allez, je répète, à la clé, une victoire pour une de ces deux équipes. Ah là 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 là. Encore un beau service de Marilyn. Haut et au fond du terrain. Allez, 5-2. Allez, peut-être un temps mort du côté de Montpellier pour casser la série. Un changement, des consignes. Non, on reste pareil. On fait confiance aux filles sur le terrain. Service de Marilyn toujours, c'est déposé. Hop, réception un peu difficile. Et les mauvais choix de la passe. Dommage, ça reste dans le filet. Dommage, dommage. Elle a voulu sauver le ballon. Il n'est pas passé. 6-2. Allez. Coach est maintenant le temps mort. Voilà. Et temps mort pour le coach de Montpellier. Allez, il va falloir casser la série, poser quelque chose. Et temps mort pour Monsieur Fournol Olivier. Allez, encore 5 secondes de temps mort. Alors Xavier Richefort, si tu veux des vacances pendant les Jeux Olympiques en 2024, je veux bien prendre ta place. Tu peux partir tranquillou en vacances, je suis disponible. Allez, service de la numéro 2. Chevalin, Marilyn toujours. Allez, c'est posé, tranquillou. On fait confiance au bloc def. Ça joue au centre avec Eva Colonna et qui fait le point. Voilà. Très très bien joué. Belle réception, belle passe, belle attaque. Ça fait point. Allez, au service. Au service, Justine Girard. Pour relancer un petit peu son équipe, peut-être revenir à moins 2. Mais Orléans qui a parfaitement débuté ce set. Ils doivent bien débuter puisque avec Barbara devant, c'est le moment, c'est l'occasion. Allez, Eva Colonna, une prio au bloc sur Barbara, je pense. Allez, réception. Bien, ça joue sur Barbara, bam bam bam, c'est défendu, dommage, ça arrête de jouer. Très belle défense de la libéro qui était satisfaite de toucher ce ballon en défense, qui malheureusement n'est pas suivi par ses coéquipiers. C'est très frustrant parce qu'elle est très dure à défendre cette fille. Et quand vous arrivez à la défendre, vous aimez bien que vos coéquipiers suivent. Allez, Barbara Duarte qui passe derrière et qui passe au service. Allez, c'est maintenant pour Montpellier pour se réveiller dans ce tie-break, il faut y aller. Allez, service, beau service, réception difficile, c'est travaillé, pas de faute bête. Voilà, c'est travaillé, poste 6 Chevalin. Hop, ça accélère en 4, la petite bidoude, mais super bloc de Eva Colonna.
Très très bien, très beau match, on assiste à un super tie break. J'espère que vous vous régalez comme chez nous, j'allais dire, comme ici. Allez. Allez, service de la capitaine de Montpellier, Léa. Allez, service court sur Johanna qui l'empêche d'enchaîner facilement, mais elle arrive à enchaîner. Les appuis, faute de fil de Montpellier, 8-4, changement de terrain. Allez, changement de terrain pour les deux équipes. Allez, Morine qui motive ses coéquipières. Allez, on sort de la concentration. Allez, je répète, l'enjeu de la rencontre est simple. Première victoire pour l'Écho ou première victoire pour Montpellier. Allez. Allez, ils annoncent les annonces de bloc. Bloc diagonal pour Manella. Malena, la pointue argentine. Bloc diagonal. Allez, Morine au service. Je répète pour la énième fois, très grosse serveuse du côté de l'Écho. Voilà, encore une fois, pas de faute, bien servi, P5, tac, 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 ça manque un peu de volume sur la pointue. Dommage. Pas confondre précipitation et le volume. Voilà, le volume reste super important pour des filles de ce gabarit. Allez, on reste mobilisé. Allez, 9-4, les changements se préparent du côté de Montpellier. Service Morinchanas, toujours pas de faute, toujours bien servi. Vraiment régulière cette joueuse au service. Allez, défense bien lue par Amelia, ça renverse sur la pointue. Boum, boum, ça tape sur la jack, c'est défendu. Et c'est pas, revient pas. Dommage, dommage. Allez, deuxième temps mort ou changement peut-être du côté de Montpellier avant qu'il soit trop tard. Allez, 10-4, ça se complique. Le deuxième temps mort avant qu'il soit trop tard peut-être. Mais non, toujours pas de temps mort. Allez, service Morinchanas. Allez, passeuse, voilà, régularité. Hop, allez, de la hauteur. Ça, voilà, c'est bien, ça passe, ça suffit. C'est bien. Allez, on passe au point d'après, 10-5. Allez, on va accélérer maintenant du côté de Montpellier. Allez, belle ligne de bloc là du côté de Montpellier. Avec la 5, Pauline. Avec la libéro d'Argentine, Natalia et Elise. Très beau service, la passeuse est arrière, elle le sauve comme elle peut, elle n'a pas dépassé la bande du filet de Kourou, il n'y a pas faute. Allez, la pointue qui travaille intelligemment et ça fait point. 10-6, là toute l'expérience de Elise qui fait le point tout en finesse malgré la défense de Amalia. Désolé, je cherche les prénoms. Allez, service de Eva, toujours au service, un point de centrale. Non, je ne dis pas que les centrales servent mal, mais bon. Allez, super service, mais bien tenu par Amalia. La pointue, gros bloc, et ça fait point, tout en puissance. Allez, un petit sourire. Hein, on reste concentré du côté de l'Écho. On veut cette première victoire. Alors, réception, côté de Montpellier. Voilà, capitaine Léa qui organise ça. La libéro aussi qui communique. Léa, Anaé. Et Elise en réception. Super service de. Voilà, bah, passe hors des mires. C'est facile ça pour Johanna Gonzalez. C'est renversé sur la pointue. Voilà. Allez, encore un block out pour l'équipe de l'Écho. Allez, allez. 12-6, deuxième temps mort pour Montpellier. Ah, je parle beaucoup, hein. Allez, et dans quelques minutes, début de la dernière rencontre de la journée entre Romans et Aluin. Alors Romans qui a déjà joué à 13h contre Rixheim, victoire 3-1, qui va donc enchaîner son deuxième match de la journée contre un autre favori. De toute façon, il n'y a que des favoris dans une poule de premier. Et contre l'équipe qui a aussi remporté ces deux matchs. Si Aluin remporte ce dernier match, il s'envole vers le titre. Si Romans gagne ce match, malgré leurs 4 victoires, ils ne seraient pas encore certains de remporter le tournoi. Allez, revenons sur nos moutons actuels. Et numéro 10, Johanna Gonzalez, R4, au service. Et Johanna au service, service posé, service security, service P1, ça passe directement. Oh là là, quelle erreur. Quelle erreur de Aurore Le Toff. Allez, centrale, c'est son job, c'est son taf, le retour direct. Hein, vous mettez Barbara Duarte à la place, ça finit dans les 3 mètres de l'équipe de Montpellier. Allez, faut rester concentré du côté de l'Écho.
Et du côté de Montpellier, il faut en profiter. Élise, au service. Et très bon service de Élise. Souvent P1, mais là, il faut aller chercher la libéro, l'intervalle de la libéro. Allez. Oh là 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 là, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. 13-7, ça commence à sentir le roussi pour l'équipe de Montpellier. Alors, ça reste du volleyball, ça reste du sport. Il faut se battre jusqu'au bout. Mais bon, tout est ouvert à l'écho avec la rentrée de Barbara Duarte. Aurore, une excellente serveuse. Je vois mal Montpellier renverser la situation. Allez, beau service. Mauvaise réception. Aurore, catastrophe. Oh là là. Allez, Johanna. Voilà. Johanna, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'importe quel ballon, elle arrive à vous faire une attaque. Allez, ballon est un peu derrière. Du coup, c'est défense facile pour Johanna. Belle passe de Maureen. La pointue qui joue en bidou, qui joue intelligemment. Mais c'est défendu. C'est défendu. Hop. Et Barbara qui pousse encore le ballon. Et allez, mais c'est défendu par Montpellier. Allez. 8-13. Allez. On joue, les arbitres ne sifflent pas les doublés, ne sifflent pas les poussés, c'est cadeau aujourd'hui, c'est la fête. La fête du volleyball à Luin, on fait ce qu'on veut sur le terrain. On a deux arbitres, mais on fait un peu ce qu'on veut. Allez, on reste concentré. Allez, au service pour Montpellier, la numéro 3, Camille Fraboulet. Allez, Camille Fraboulet, c'est maintenant ou certainement pas aujourd'hui pour l'équipe de Montpellier. On s'accroche les filles. Super service, réception moyenne. Oh là là, super bien sauvé par Maureen. Très belle passe, bien suivie par Barbara. Et Barbara qui fait le point, balle de match. 6 balles de match pour l'équipe de Montpellier. Allez, signe du destin. Malena au service, pointue argentine. Allez, fais-moi mentir ou pas. Allez, let's go, service au smatché, out. Et voilà, elle m'a pas fait mentir. Je répète, service matché, ok. Mais, voilà, à voir. Pas fan du tout. Alors, Malena qui sort. Elle est rentrée de la petite passeuse remplaçante à 14-9. Ouais, oh, 5 cadeaux. Est-ce pour faire plaisir? Je sais pas, 14-9. Moi, je sais que le coach me fait rentrer à 14-9. Ah, bref. Allez, Orléans, réception avec Maureen, Barbara et Marilyn devant. Allez, ça travaille en... Oh bah non, ça passe pas. 10-14. Et drôle de choix de Maureen qui a peut-être pas vu que c'était la deuxième passeuse qui était rentrée en défense. Elle a fait ce qu'elle a pu avec la mauvaise réception. Mais du coup, Montpellier revient à moins 4. Alors j'ai toujours pas... Pour moi, c'est toujours l'écho qui est archi favori pour cette victoire. Et service, beau service, très beau service. Réception parfaite de Johanna, Barbara, boum boum. Allez hop, ça il est, c'est pesé, 3-2. Allez, super victoire de l'écho, 3-2. 25-14, 22-25, 25-15, 23-25 et 15-10. Mais je pense que l'écho va avoir quelques regrets. Il aurait pu remporter ce match 3-1. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, je vous laisse. Pas tout ça, mais j'ai une équipe à entraîner. Allez, bonne soirée à tous et rendez-vous à l'U1 ce soir 19h ou demain pour la suite de la compétition.